c'est pas qu'on n'a pas de chance. Je pense que les Belges, ils sont nettement favoris, mais c'est pas que nous, on n'a aucune chance, hein, parce que c'est quand même des très bons joueurs. Ouais, Henry, il a battu des mecs qui étaient dans les 100. Yann aussi, il s'est qualifié dans des grands prix. Alors, ils ont montré qu'ils peuvent battre des mecs comme ça. Adrien, il a fait des très bons résultats récemment dans les futurs et tout ça. Michi, il était 150 mondial. Il n'y a pas trois niveaux entre nous et les Belges, hein. Ça il faut savoir. Michi, en plus, il était là quand on a gagné la Coupe Davis, alors il a plein d'expérience et tout. Aussi battu des... Je veux dire, il n'y a pas une telle différence, mais après, la vérité, on va la trouver sur le terrain, mais nous, on se réjouit, on est super motivés de pouvoir avoir le challenge avec les Belges. Et puis aussi, ils ont quelques joueurs qui sont mieux classés que notre meilleur. Alors ça, pour moi, c'est évident qu'ils sont très clairement favoris. Mais comme j'ai dit, moi, je pense pour nous, ça va être important de faire le maximum. Et puis, de tenter nos chances. Le match, il n'est jamais perdu avant qu'il a commencé. Alors ça, on le sait, mais c'est clair que les Belges sont clairement les favoris. C'est clair, déjà ça change des tournois. Là, il y a le capitaine Sévin qui est sur le banc. Il est là pour soutenir, pour t'encourager. Et je pense, pour moi, c'est un plus. En plus, il me connaît, il sait comment on joue. Et un match comme une Coupe Davis, j'ai donné le maximum. On joue pour son pays, pour la Suisse. Ça, c'est aussi un rêve. Et maintenant, j'ai donné le maximum et faire le mieux que je peux. Depuis que je suis arrivé ici, de jour en jour, ça va de mieux en mieux. J'ai des bonnes sensations. Je fais tout pour être au top vendredi si je vais jouer. Et il faut continuer à être positif et s'entraîner encore pendant ces 2-3 jours et donner le maximum.